Je vais bien, merci. J'aime pas vraiment comparer les années parce que ça n'a pas de logique. On ne peut pas comparer une année à l'autre. Simplement, je vais bien, je suis contente. J'ai eu une belle été, on a bien travaillé, donc je vais bien. Mais je suis bien contente d'être revenue à ce niveau en géant, d'avoir gagné un titre, d'avoir trouvé surtout le premier groupe. Je continue à travailler sur ça, sur cette ligne, donc... J'espère de réussir à continuer à produire du bon ski. Dans ma carrière, c'était plus ça, c'était la clé. Si j'arrivais à être régulière en géant, c'était plus simple de réussir à m'adapter dans les différentes conditions, surtout en descente. En super-G, c'est un peu différent, mais pour être rapide chaque week-end aussi en descente. Franchement, j'ai jamais essayé de gérer quelque chose. J'ai surtout essayé de travailler pour être bien et puis de prendre un jour après l'autre et essayer de continuer à croître dans ça. Donc... J'ai pas de focus particulier sur quelque chose, sinon pas d'être saine et de réussir à gérer mes énergies, à être bien sur toute la saison. Ça fait des années que j'ai assez pris du recul surtout. Donc je vis ma vie surtout quand je suis pas sur les pistes, très loin de tout ça. Et cela, ça m'aide sûrement à gérer ou à avoir un très bon équilibre dans ma vie. Je pense au moins qu'on aura un peu plus de repères par rapport à l'année passée. Et c'est pas une... quelque chose de nouveau pour nous, ou au moins pour le monde du ski, comment cela va fonctionner. Donc je pense qu'on devrait être capable de gérer ça comme on a fait l'année passée avec assez de succès.